Le test, une nouvelle d'Ursula Le Guin. J'estime que l'œuvre du professeur Spicky est vraiment remarquable. Il s'agit d'ailleurs d'un homme remarquable, j'en suis profondément convaincu. Je crois que nous avons tous besoin de certitudes. Si je n'avais pas les miennes, j'ignore totalement ce que je ferais. Et si le professeur Spicky n'avait pas sincèrement cru à ses travaux, il n'aurait jamais pu mener à bien son entreprise. Où aurait-il puisé le courage nécessaire? Ce qu'il a accompli suffit amplement à prouver sa sincérité. Il y eut une époque où de nombreuses personnes tentèrent de semer le doute sur son compte, en prétendant qu'il ne cherchait qu'à obtenir la puissance. Ce sont des mensonges éhontés. Dès le début, il n'eut qu'un seul objectif, aider ses semblables et leur bâtir un monde meilleur. Les personnes qui le qualifiaient de mégalomane et de dictateur étaient celles qui trouvaient Nixon et Hitler déments. Les chefs d'État du monde entier, insensés. La course aux armements et le gaspillage des ressources naturelles de notre planète en folie. Notre civilisation démente et suicidaire. Elle répétait sans trêve de tels propos et disait également celle du professeur Spicky. Mais c'est ce dernier qui mit un terme à toutes ces folies, n'est-ce pas? Ceci prouve qu'il vit juste dès le début et qu'il eut raison de croire en ses idéaux. Je me mis à travailler pour lui dès qu'il fut nommé à la tête du service de psychométrie. J'étais employé aux Nations Unies. Lorsque le gouvernement mondial s'installa dans l'immeuble new-yorkais de l'ONU, on me transféra au 35e étage en tant que secrétaire principal du service du professeur Spicky. Je savais qu'il s'agissait d'un poste aux grandes responsabilités et je fus extrêmement nerveuse durant toute la semaine qui précéda mon entrée en fonction. Je bouillais d'impatience de rencontrer le professeur Spicky, qui était déjà une célébrité. J'arrivai au bureau à 9h tapante le lundi matin, et lorsqu'il entra, ce fut merveilleux. Il irradiait la bonté. Certes, le poids de ses responsabilités pesait toujours sur lui, mais il semblait débordé de vie et de confiance en soi. Et il avait une démarche à la souplesse peu commune. Cela évoqua alors pour moi des balles de caoutchouc fixées à l'extrémité de ses semelles. Il me sourit et me serra la main pour me dire, sur un ton extrêmement amical et confiant, « Vous devez être Mrs. Smith ? J'ai entendu dire énormément de bien sur vous. Je suis persuadé que nous allons former une excellente équipe. Mrs. Smith. » Plus tard, il se mit naturellement à m'appeler par mon prénom. Tout au long de cette première année, nos activités portèrent principalement sur l'information. Le présidium du gouvernement mondial et tous les États membres devaient être pleinement informés sur la nature et les buts du test, avant que la mise en place du système de contrôle pût être effectuée. Cela me fut également très utile, car c'est en préparant les textes explicatifs que j'appris tout ce qui le concerne. Il m'arriva souvent d'être renseigné par le professeur Spicky lui-même, qui me dictait les rapports. En mai, je connaissais si bien le sujet que je pus rédiger sans aide l'opuscule d'informations de base sur le test de stabilité mentale, en me basant simplement sur les notes du professeur. C'était un travail positivement fascinant. Dès que j'eus commencé à comprendre vraiment les buts de ce projet, je me mis à croire en lui. Et cela est d'ailleurs valable pour tous les membres du personnel de notre service. La sincérité et l'enthousiasme du professeur Spicky étaient contagieux. Dès le début, nous dûmes naturellement nous soumettre aux tests chaque trimestre, et si cela rendait certaines secrétaires nerveuses, ce ne fut jamais mon cas, tant l'utilité de ce contrôle était évidente. Celles qui obtenaient un résultat inférieur à 50 étaient heureuses d'apprendre qu'elles étaient saines d'esprit. Et celles qui dépassaient la barre des 50 étaient rassurées de savoir qu'on allait leur venir en aide. Et quoi qu'il en soit, il est toujours préférable d'être fixé sur son compte. Dès que le service d'information put fonctionner sans problème, le professeur Spicky reporta son intention sur la formation des examinateurs et le projet de structuration des centres de soins, les rebaptisant « centres d'épanouissement ». Cela semblait déjà devoir représenter un énorme travail, mais nous ignorions encore quelle importance il prendrait.
Ainsi qu'il l'avait déclaré le premier jour, nous formions une excellente équipe. Le professeur Spiky appréciait ma compétence et utilisait pleinement mes capacités. Il n'y avait pas un seul tir au flanc dans notre service, mais si nous travaillions tous avec acharnement, nous en étions toujours récompensés. Je me souviens d'un jour qui m'a laissé une impression merveilleuse. J'avais accompagné le professeur Spiky à une réunion du conseil du service de psychométrie. Le représentant du Brésil annonça que son État venait d'accepter notre proposition d'instaurer dans ce pays le contrôle universel. Nous avions été préalablement informés qu'il ferait cette déclaration, mais c'est alors que les représentants de la Libye et de la Chine déclarèrent qu'ils adoptaient eux aussi le contrôle. Oh, durant un bref instant, le visage du professeur Spiky évoqua pour moi le soleil, tant il rayonnait. J'aimerais pouvoir me remémorer avec précision ses paroles, surtout lorsqu'il répondit au délégué chinois, car, en raison de l'importance de la Chine, sa décision était capitale. Malheureusement, je ne pus enregistrer ses paroles exactes, car je changeais la bande du magnétophone. Il répondit en substance « Messieurs, c'est un grand jour dans l'histoire de l'humanité. » Puis il se mit aussitôt à parler de la mise en place des centres de contrôle où la population viendrait passer le test et des centres d'épanouissement où se rendraient ceux dont les résultats seraient supérieurs à 50. Puis il aborda les problèmes posés par la mise en place de l'infrastructure des services de gestion et d'analyse des tests, ainsi que d'autres sujets de ce genre. Il était toujours modeste et pratique. Il préférait discuter des méthodes qui permettraient de mener à bien ses projets plutôt que de l'importance de ces derniers. Il avait coutume de dire « Il n'est plus utile de penser qu'à la façon de l'accomplir. » J'estime qu'il exprimait là une grande vérité. Il nous fut ensuite possible de confier le travail d'information à un autre service et de concentrer nos efforts sur la réalisation du projet. Ce fut une période passionnante. Tous les États adoptaient notre programme les uns après les autres. Quand je pense à tout ce que nous devions faire, je m'étonne que nous n'ayons pas tous sombré dans la folie. Plusieurs membres du personnel de notre service échouèrent à leurs tests trimestriels, c'est exact. Mais la plupart des collaborateurs du bureau exécutif qui travaillaient avec le professeur Spiky demeurèrent très stables, même lorsque nous dûmes travailler à longueur de jour et la moitié de la nuit. Je pense que sa présence nous galvanisait. Il était calme et sûr de lui, en toutes circonstances, même lorsqu'il devait régler des problèmes tels que la formation en un trimestre de 113 000 examinateurs chinois. Il est toujours possible de trouver une solution dès l'instant où l'on sait pourquoi elle est nécessaire, avait-il coutume de dire. Et nous fûmes à la hauteur de notre tâche. En y réfléchissant, il est sidérant de constater la démesure de notre entreprise. Elle était en fait bien plus importante qu'aucun de nous, pas même le professeur Spiky, n'aurait pu s'en douter. Cela devait tout bouleverser. On ne peut en prendre pleinement conscience qu'en se rappelant quelle était auparavant la situation. Peut-on imaginer que lorsque nous commençâmes à organiser le contrôle universel pour l'État chinois, nous n'avions prévu que 1100 centres d'épanouissement avec un personnel de seulement 6800 membres? Cela peut sembler incroyable, mais c'est pourtant exact. Hier, j'ai consulté quelques vieux dossiers pour m'assurer que tout est en ordre et j'ai retrouvé notre premier programme concernant le territoire chinois avec ses chiffres écrits noir sur blanc. Je crois que si le professeur Spiky mit si longtemps à prendre conscience de l'importance de l'opération, c'est dû au fait que tout en étant un grand homme de science, il était également optimiste. Il espérait contre tout espoir que la moyenne des résultats se mettrait bientôt à baisser, ce qui l'empêchait de comprendre que la mise en place du contrôle universel allait finalement concerner tous les humains, que ce soit en tant que malade ou que membre du personnel soignant. Lorsque la plupart des États de l'Est et tous les pays africains eurent adopté notre proposition, les débats du gouvernement mondial devinrent extrêmement animés. Ce fut durant cette période que tant de vilaines choses furent dites sur le compte du contrôle et du professeur Spiky.
Je bouillais de colère chaque fois que je lisais le compte-rendu des débats. Et lorsque je me rendais à l'Assemblée Générale avec le professeur Spiki, je devais rester assise et entendre des personnes l'insulter, répandant des calomnies sur ses motivations et mettant en doute son intégrité scientifique, voire sa sincérité. Bon nombre de ces individus étaient fort désagréables et de toute évidence mentalement déséquilibrés. Cependant, le professeur ne perdit jamais son calme. Il se contentait de se lever pour leur prouver, une fois de plus, que le test de stabilité mentale démontrait scientifiquement si un sujet était sain d'esprit ou dément, que les résultats pouvaient être prouvés et que tous les spécialistes en psychométrie reconnaissaient leur fiabilité. Et les partisans d'un veto contre le contrôle devaient se contenter de hurler des absurdités au sujet de la liberté et d'accuser le professeur Spiki et le service de psychométrie d'essayer de transformer le monde en asile d'aliénés. Il répondait toujours avec calme et fermeté, demandant comment une personne pouvait être libre tout en souffrant d'hallucinations, en étant le jouet de ses compulsions et obsessions, ou en ne pouvant pas supporter les réalités de la vie. Comment les démons auraient-ils pu être libres? Ce que ses détracteurs appelaient la liberté pouvait fort bien être qu'une illusion sans rapport avec le monde réel. De façon à être fixé sur ce point, il suffisait de les soumettre au test. « La seule liberté, c'est la santé mentale », disait-il. « Une vigilance perpétuelle est son prix, et nous disposons à présent d'un chien de garde infaillible pour veiller sur nous, le test de stabilité mentale. Seuls ceux qui ont subi le contrôle peuvent être véritablement libres. » En fait, ses adversaires ne trouvaient rien à répondre à cela, hormis des accusations vulgaires et illogiques, ne pouvant convaincre les délégués qui les avaient invités à prendre la parole. Tôt ou tard, les représentants de tous les pays, même ceux où les mouvements anti-contrôle étaient puissants, se portaient volontaires pour subir le test, afin de prouver qu'ils étaient suffisamment sains d'esprit pour pouvoir conserver un poste de responsabilité. Ensuite, ceux qui se soumettaient au test et conservaient leur mandat se mettaient à œuvrer pour l'instauration du contrôle universel dans leur pays d'origine. Les émeutes et les manifestations, les actes criminels comme l'incendie du Parlement à Londres, en Angleterre, où se trouvait le centre de contrôle de l'Europe du Nord, la rébellion vaticane et la bombache chilienne. Tout cela fut le fait de quelques fanatiques déments qui surent attirer les éléments les plus instables de la populace. De tels fanatiques, comme le firent remarquer le professeur Spiki et le professeur Waltraut, dans leur mémorandum adressé au Présidium, réveillaient et utilisaient sciemment l'instabilité avérée des foules. L'unique réponse aux troubles de ce genre était la mise en place du contrôle dans les États où ils se produisaient et l'élargissement immédiat du programme de construction des asiles. C'est d'ailleurs au professeur Spiki que nous devons d'avoir rebaptisé le centre d'épanouissement en asile. Il reprit ce terme de la bouche même de ses détracteurs. Il déclara « Un asile est par définition un abri, un lieu de traitement. Il ne faut plus que les mots dément, asile ou encore asile d'aliénés soient infamants, non, car un asile est le refuge de la santé mentale. Le lieu où l'angoissé découvre la quiétude, où le faible retrouve des forces, où ceux qui sont les prisonniers d'une évaluation fausse de la réalité » trouve les chemins de la liberté. Il faut employer le terme d'asile avec fierté. Oui, c'est fièrement qu'il faut se rendre dans les asiles, que ce soit dans le but de retrouver la santé mentale que Dieu nous a offerte, ou d'assister des personnes défavorisées et les aider à faire valoir leurs droits légitimes à la santé mentale. Et que ces mots soient écrits en grandes lettres sur le fronton de chaque asile d'aliénés du monde. Bienvenue à tous. Ces paroles sont extraites du grand discours qu'il prononça devant l'Assemblée générale le jour où le Présidium décida d'instaurer le contrôle universel mondial. Chaque année, il m'arrive à une ou deux reprises d'écouter l'enregistrement que je fis de ce discours.
bien que mes activités m'occupent trop pour que je puisse me sentir vraiment déprimé, il m'arrive parfois d'éprouver le besoin d'être remonté, et je fais alors passer cette bande. Elle a toujours eu pour effet de me rendre courage et confiance. Si l'on tient compte de tout le travail qu'il avait à accomplir, étant donné que les résultats des tests qui nous parvenaient dépassaient de plus en plus l'estimation des analystes du service de psychométrie, le présidium du gouvernement mondial effectua une tâche remarquable au cours des 2 années pendant lesquelles il fut responsable du contrôle universel. Durant une longue période, 1 semestre, les résultats semblèrent se stabiliser. Approximativement la moitié des sujets obtenaient moins de 50 et l'autre plus. À cette époque, on estimait que si 40% des personnes équilibrées se chargeaient de faire fonctionner les asiles, les 60% restants suffiraient pour assurer le maintien des activités mondiales, que ce soit dans le domaine de la culture et de l'élevage, de l'approvisionnement énergétique, des transports, etc. Cependant, il fallut inverser les pourcentages lorsqu'on découvrit que 60% des personnes saines d'esprit voulaient aller travailler dans les asiles, afin de retrouver ceux qui leur étaient chers. Maintenir le monde en activité posa alors quelques problèmes. C'est à cette époque que fut décidée l'implantation de fermes, d'usines, de centrales électriques, etc. sur les territoires occupés par les asiles et que le travail dans ces diverses unités de production fut placé dans le cadre des traitements de réinsertion. Dès lors, les asiles purent fonctionner sans aide extérieure. Ce fut la tâche que se fixa le président Kim. Il y œuvra tout au long de son mandat et les événements prouvèrent sa prévoyance. Ce petit homme paraissait tellement fou et sage. Je me rappelle encore le jour où le professeur Spiky entra dans le bureau. Je compris immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Non qu'il parût véritablement déprimé ou qu'il fît montre d'une émotion déplacée, mais j'avais l'impression que les ballons de caoutchouc de ses chaussures s'étaient partiellement dégonflés. Je perçus un léger tremblement dans sa voix lorsqu'il m'annonça « Marianne, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. » Puis il me sourit afin de me rassurer, car il savait à quelle tension nous étions tous soumis, et il ne tenait pas à ce que je m'inquiète, ce qui aurait pu élever dramatiquement les résultats de mon prochain test. « C'est le président Kim, » précisa-t-il, et je compris aussitôt. Je savais qu'il ne voulait pas dire que le président était souffrant ou décédé. « Plus de 50 ?» demandai-je. Et il me répondit d'une voix calme et attristée « 55 ?» Pauvre président Kim, il avait travaillé avec tant d'efficacité au cours de ces 3 mois alors que la maladie mentale grandissait en lui. C'était à la fois un drame et un avertissement. Des consultations au plus haut niveau furent aussitôt entreprises dès l'internement du président Kim et l'on décida de rendre le contrôle mensuel et non trimestriel pour toutes les personnes ayant des postes de responsabilité. Même avant cette décision, les résultats universels s'étaient remis à augmenter. Le professeur Spiky n'était pas désemparé. Il avait prévu qu'une forte augmentation accompagnerait la période de transition vers la santé mentale du monde. Alors que le nombre de personnes saines d'esprit vivant à l'extérieur des asiles diminuait, la tension qui leur était imposée ne cessait de croître et elles couraient de plus en plus le risque d'en être victimes, exactement comme le pauvre président Kim. Plus tard, lorsque les réinsérés commenceraient à sortir des asiles en nombre de plus en plus grand, le stress diminuerait. Le surpeuplement des centres de soins diminuerait également et leur personnel aurait alors plus de temps à consacrer aux traitements individuels, ce qui provoquerait un accroissement spectaculaire du nombre de sorties. Finalement, lorsque le processus thérapeutique serait complètement maîtrisé, y compris sur le plan préventif, il ne resterait plus un seul asile dans le monde, car tous les humains seraient soit mentalement sains, soit réinsérés, soit encore néo-normaux, comme aimait le dire le professeur Spiky. Ce furent les troubles d'Australie qui précipitèrent la crise gouvernementale. Certains responsables du service de psychométrie accusèrent les examinateurs australiens de falsifier les résultats des tests.
ce qui était impossible étant donné que tous les ordinateurs sont reliés à la banque de données du gouvernement mondial à Keokuk. Le professeur Speakey suspectait quant à lui les examinateurs australiens d'avoir modifié le test lui-même et il insista pour qu'ils y furent immédiatement soumis. Il avait naturellement vu juste. Il s'agissait effectivement d'un complot et les résultats étonnamment bas obtenus en Australie s'expliquaient par l'emploi d'un test modifié. Nombreux furent les instigateurs de cette fraude qui obtinrent des résultats supérieurs à 80. Lorsqu'ils furent soumis au test authentique, le gouvernement australien de Canberra avait fait preuve d'un laxisme impardonnable. S'il l'avait tout simplement admis, les choses seraient rentrées dans l'ordre, mais les membres du gouvernement devinrent hystériques et constituèrent un gouvernement provisoire dans une bourgade d'éleveurs de moutons du Queensland. Et ils voulurent retirer leur état du gouvernement mondial. Le professeur Speakey déclara qu'il s'agissait d'une psychose de masse caractérisée, fuite de la réalité, suivie par une fugue et un retrait autistique. Malheureusement, le présidium semblait paralysé. L'Australie fit sécession la veille du jour où le président et les membres du présidium devaient passer leur test mensuel et sans doute craignaient-ils d'obtenir de mauvais résultats s'ils prenaient des décisions déchirantes. Aussi le service de psychométrie proposa-t-il de prendre l'affaire en main. Le professeur Speakey monta en personne à bord du bombardier transportant les bombes H et jeta lui-même des tracts d'informations. Il n'a jamais manqué de courage. Lorsqu'il fut possible de tirer un trait sur l'incident australien, il s'avéra que la majeure partie des membres du présidium, y compris le président Singh, avait obtenu des résultats supérieurs à 50. Aussi, le service de psychométrie s'attribua-t-il leur fonction et à titre temporaire. Même si ce transfert de responsabilité avait été définitif, il eût été logique, étant donné que tous les problèmes auxquels le gouvernement mondial devait trouver des solutions concernaient le passage et l'interprétation du test, la formation du personnel et la mise en place d'une structure de type autarcique pour tous les asiles. Ce qui signifiait sur un plan personnel que le professeur Speakey était à présent président intérimaire des États-Unis du monde en tant que responsable du service de psychométrie. J'étais sa secrétaire personnelle et je dois admettre que j'en éprouvais une grande fierté. Mais il ne laissa jamais cela lui monter à la tête. Il était si modeste. Parfois, lorsqu'il me présentait, il disait avec ses yeux pétillants de malice « Voici Marianne, ma secrétaire. » Et sans elle, je crois que j'aurais dépassé la barre des 50 depuis longtemps. Il savait apprécier l'efficacité et le sérieux. C'est la raison pour laquelle nous avons formé une si bonne équipe durant toutes ces années où nous avons travaillé ensemble. Il y eut des périodes lorsque les résultats mondiaux ne cessaient d'empirer, où je me laissais gagner par le découragement. Une fois par semaine, les résultats du test apparaissaient sur l'imprimante de l'ordinateur et la moyenne était à présent de 71. « Professeur, lui dis-je, il y a des moments où je pense que le monde entier est en train de perdre la raison. Il faut considérer les choses sous un autre angle, Marianne, me répondait-il. Prenons les gens qui vivent dans les asiles. 3,1 milliards de pensionnaires et 1,8 milliard de membres du personnel. Que font-ils ? Ils poursuivent leur traitement et effectuent leurs tâches thérapeutiques dans les fermes et les usines, en s'efforçant constamment de s'aider les uns les autres à retrouver leur santé mentale. Certes, le pourcentage de folie est très élevé pour l'instant. La plupart des gens sont déments. Mais tous doivent être admirés. Ils luttent pour devenir normaux et ils y parviendront. Puis il baissa la voix pour ajouter, comme pour lui-même, tout en regardant par la fenêtre et en se balançant légèrement sur la pointe des pieds. « Si je ne le croyais pas, je ne pourrais pas tenir le coup. » Et je savais qu'il pensait à sa femme. Miss Speakey avait obtenu 88 lors du premier contrôle universel américain.
Elle était internée à l'asile du Grand Los Angeles depuis plusieurs années déjà. Toute personne qui ose encore prétendre que le professeur Speakey n'était pas sincère devait réfléchir à cela un instant. Il a renoncé à tout pour ses convictions. Et même lorsque tous les asiles se mirent à fonctionner sans accroc, que les épidémies d'Afrique du Sud et la famine du Texas et de l'Ukraine furent sous contrôle, le travail du professeur Speakey n'en fut pas allégé pour autant, car le personnel du service de psychométrie se réduisait chaque mois, étant donné qu'il y avait toujours des employés qui échouaient à leur test mensuel et étaient envoyés à Bethesda. Je n'ai jamais pu garder des collaborateurs pendant plus d'un ou deux mois. Il était de plus en plus difficile de trouver du personnel, car la plupart des gens, sains d'esprit, se portaient volontaires pour aller travailler dans les asiles, étant donné que la vie était plus facile et agréable à l'intérieur de ces établissements qu'à l'extérieur. Tout y était plus commode, et l'on s'y faisait de nombreux amis et connaissances. J'enviais vraiment ceux qui s'y trouvaient, mais je savais où était mon devoir. En tout cas, la vie était bien plus calme ici, dans l'immeuble de l'ONU, ou la tour psychométrique, ainsi qu'on l'avait depuis longtemps rebaptisée. Souvent, on ne pouvait trouver absolument personne dans tout le bâtiment, à l'exception du professeur Speakey et de moi-même, et peut-être de Bill, le concierge. Il obtenait régulièrement un total de 32 à chaque test. Tous les restaurants étaient fermés, et en fait, la majeure partie de Manhattan était close. Mais nous allions pique-niquer dans la vieille salle de l'Assemblée Générale. Et il y avait toujours un appel téléphonique de Buenos Aires ou de Reykjavik, demandant les conseils du président intérimaire et le professeur Speakey pour résoudre tel ou tel problème, et cela rompait la monotonie de ces journées. Mais je n'oublierai jamais ce qui se passa le 8 novembre dernier. Alors que le professeur Speakey me dictait le plan de croissance économique mondiale pour les 5 années à venir, il s'interrompit brusquement pour me demander « Au fait, Marianne, quel a été votre dernier résultat ?» Nous avions passé le test 2 jours plus tôt, le 6. Nous y consacrions toujours le premier lundi de chaque mois. Le professeur Speakey n'aurait jamais envisagé de s'exempter du contrôle universel. « 12, répondis-je, avant de trouver étrange qu'il m'eût demandé cela. » En fait, j'étais moins surprise par la question elle-même, car il nous arrivait souvent de commenter nos résultats que par le moment où il avait choisi de le faire, en pleine séance de travail du gouvernement mondial. « Merveilleux !» fit-il en secouant la tête. « Vous êtes merveilleuse, Marianne. 2 points de moins que lors du test du mois précédent, n'est-ce pas ?»« Je me suis toujours situé entre 10 et 14, dis-je. Cela n'a rien de nouveau. » Un jour, fit-il en arborant la même expression que lorsqu'il avait fait son grand discours concernant les asiles. « Un jour, notre monde sera gouverné par des personnes aptes à détenir le pouvoir, des hommes qui obtiendront 0. 0, Marianne. »« Seigneur, fis-je sur un ton de plaisanterie, presque inquiète en raison de sa véhémence. Même vous, professeur, vous n'êtes jamais descendu en dessous de 3. » Et vous n'avez pas atteint un tel résultat depuis 1 an ou plus. » À la façon dont il me fixait, j'aurais pu croire qu'il ne me voyait pas, ce qui m'emplissait d'inquiétude. « Un jour, dit-il, de la même manière, on ne trouvera plus dans le monde entier une seule personne ayant un quotient supérieur à 50, supérieur à 10. Le traitement sera amélioré. Je n'ai été qu'un diagnosticien. » Mais les méthodes thérapeutiques seront perfectionnées. On trouvera le remède un jour. » Puis il ajouta, sans cesser de me fixer. « Savez-vous combien j'ai obtenu lundi ?»« 7 », avançai-je aussitôt, sachant qu'il avait obtenu ce résultat lors du test précédent. « 92 », corrigea-t-il. Je me mis à rire, car il devait plaisanter. Le professeur Speakey avait toujours eu un sens de l'humour espiègle auquel il donnait libre cours aux moments les plus inattendus. Mais j'estimais qu'il était temps de revenir au plan de croissance économique mondiale. Aussi, lui reprochai-je, toujours en riant, « Votre plaisanterie est vraiment de mauvais goût, professeur. » 92,
répéta-t-il. « Vous ne me croirez pas, Marianne, mais c'est à cause des melons. »« Quels melons, professeur ? » manquis-je. Et c'est alors qu'il franchit le bureau d'un bond et tenta de me mordre à la veine jugulaire. J'utilisai ma connaissance du judo et appelai Bill, le concierge. Lorsqu'il fut là, je demandai une robot-ambulance pour emmener le professeur Speaky à l'asile de Bethesda. Il y a à présent 6 mois de cela, et je vais lui rendre visite chaque samedi. C'est vraiment affligeant. Il se trouve dans la zone de McLean, le service des fous furieux. Et dès qu'il me voit, il se met à hurler et à écumer. Mais je sais que ce n'est pas une question personnelle. Il ne faut jamais prendre les réactions des malades mentaux sur un plan personnel. Lorsque le traitement aura été perfectionné, il sera possible de le guérir totalement. En attendant ce jour, je poursuis ma tâche. Bill continue de nettoyer les sols et je dirige à moi seul le gouvernement mondial. C'est bien moins difficile qu'on ne pourrait le penser. Le test est une nouvelle de science-fiction de Ursula Le Guin, extraite du recueil « Les quatre vents du désir » publié aux éditions Press Pocket. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.